les gars, c'est Johan Pops. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, je charbonne en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Demain, c'est l'anniversaire de l'une de mes meilleures amies, Inès, que j'adore et qu'on embrasse. Mon amie la plus jolie, mon amie avec les lèvres les plus pupeuses, mon amie avec le meilleur maquillage et surtout mon amie avec la poitrine la plus généreuse que j'ai jamais vue. Mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse un gâteau d'anniversaire du coup. Comme vous le savez, j'adore cuisiner. Ouais. Bah ça va, merci, ouais. L'ingratitude des gens qui m'entourent, c'est incroyable. Ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo. Et du coup, vu que demain c'est l'anniversaire d'Inès, on va être réunis, le quatuor, Walid, moi, Inès et Yanis, mes quatre meilleurs amis, vous le savez. Et j'ai dit à Walid, il faut qu'on lui fasse un gâteau, mais c'est pas très drôle de faire juste un gâteau. Voilà, il fallait ajouter un petit peu de piment, un petit peu de har dans toute cette petite recette. Et justement, ne pas en avoir, tout simplement. Je me suis dit que j'allais faire un gâteau sans recette challenge. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie, ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez vous abonner aussi à mon Instagram, mon TikTok, Johan Paps, hashtag PapsMob si vous voulez que je vois vos photos et vos TikTok. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Du coup, c'est parti, je me change. Go. Non, 3, 2, 1. Ah, bah ça y est, je suis prêt. C'est bel et bien un tablier, hein. Ce n'est pas un corset. C'est juste que Walid voulait mettre ma taille en avant. Je peux même pas respirer. J'espère que ça vous plaît, c'est marqué mon Paps à table dessus. C'est ma petite émission de cuisine que j'ai sur Instagram où j'invite mes amis pour cuisiner. On va démarrer, j'ai pris tous mes ingrédients, je vous jure. Je pense qu'à force mes pauvres parents vont souffrir de maux de dos tellement j'ai juré sur leur ossature. Mais je recommence sur les os de mon père que je n'ai pas regardé la recette d'un gâteau. Je voulais faire un gâteau au chocolat. Je suis passé à Monoprix, j'ai pris tous les ingrédients qui me semblent utiles pour faire un gâteau. Je crois qu'il faut commencer par les produits secs, c'est ça? C'est moi dans ma merde et tout seul. Ouais. Moi je dirais qu'il faut mettre un peu de farine. J'ai pas de verre d'oseur, j'ai pris un verre à vin. Pas de vin rouge, je pense que vous l'avez compris. Je vais dire un gros verre à vin. Donc un verre à vin de farine. Voilà. Je dirais un sachet de levure chimique. T'as pris quelle levure? Alza. C'est pas sponsor, mais si vous voulez, en tout cas, ma boîte mail est en barre d'infos. Je pense qu'il faut mettre toutes les poudres en premier dedans. J'ai acheté de la poudre de noisette, parce que ça je vois ça tout le temps sur TikTok. Attendez, j'en ai goûté, pardon. Oh, incroyable. J'ai encore une barre de Red Bull, c'est abusé, non? Ça fait 6 aujourd'hui, là. Ça fera 7. Immense, c'est la troisième. Bon, une grosse... Deux grosses cuillères de noix de grillée. Une... Ah ouais, grosse. Une bébé, cuillère à côté. Sacré bébé. Un bébé kabyle, ça. Je vous dis, je fais un régime un petit peu sans sucre en ce moment. Enfin, j'évite de manger trop de sucre, trop de produits sucrés et tout. Donc, à la place du sucre, j'ai pris de la stevia. Zarma, c'est naturel, mais ça donne le goût du sucre. On y croit moyen. Regardez, même la Red Bull, j'ai pris sugar free. Je vous mens pas. Hein. Vous le voyez, de toute façon, que je mens pas. Je mets quoi un demi-verre de vin, vu que j'ai mis un verre de farine. Non, mais ça suffit, t'as vu tout ce qu'il y a là? Ouais, j'ai peur que ça passe les gâteaux de régime. Par contre, j'ai envie de voir si c'est vraiment sucré ou pas. C'est du sucre. Frais. Qu'est-ce que j'aime les produits frais? Je sais pas ce qui se passe. On va mélanger les produits secs. Par contre, alors il y a un truc qui me fait super peur, je vais dire la vérité. Le nombre de. Je sais pas du tout, du coup. Et pas... ça peut faire rater une recette. C'est pas 4. Moi j'aurais dit 3 ou 4, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est des œufs entiers ou c'est pas genre 2 œufs entiers et 2 jaunes d'œufs? Ah. Tu vois? Mais je crois déjà, on met pas du tout le blanc. Toi, je suis tâte, t'façon, lui il est en train de m'induire une erreur parce que il a le seul que j'ai fait un gâteau pour Inès et que lui va lui offrir une tranche de Beaufort. Quand j'étais petit, je crois qu'on séparait toujours le blanc du jaune. Mais oui. Et le jaune, tu mélanges avec le sucre. Et le beurre et le chocolat. Donc vous allez prendre 3 œufs, faire un trou au milieu, mais ça c'est la recette de la quiche Lorraine, c'est absolument pas la recette d'un gâteau. Je vais mettre 4 œufs. Ils sont bien dodus ces œufs. 3, 4, ça me paraît beaucoup, non? On rajoutera de la farine. Ouais. C'est pas bon, s'inquiétez pas. On s'en sort toujours sur cette chaîne. On mélange avec les œufs. Faut pas de l'huile dans un gâteau? On n'a pas acheté d'huile. J'ai de l'huile d'olive. Dans le placard en bas, à côté du four, le gros bidon, la bouteille en verre. Tu vas y arriver, Wally. Une bouteille d'huile d'olive. Y'a que de l'alcool. Non, arrête de mentir. Tu peux passer pour quoi sur internet? Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais pas le manger, les gâteaux. Si, si, tu vas goûter. Voilà. Il manque pas un liquide? Ah, mais il manque quelque chose de liquide là, j'ai l'impression. Quoique. Regardez cette petite pâte. Magnifique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter, comme Kylie Jenner dans sa vidéo d'Halloween avec sa fille, de l'arôme de vanille. Je vois que les Américains, ils ajoutent toujours ça dans leur recette et ça a l'air délicieux. Rise and shine. Stormy? Stormy? Hi Kris Jenner. La pâte a pas l'air mauvaise. N'a pas l'air, après faut voir ce que ça donne. Je vais la goûter avec une petite cuillère. Je suis obligé de faire goûter les gars parce qu'on va pas mettre au four de la merde. On va pas chier dans un moule et mettre ça à 180 degrés. C'est super bon. Je vous jure c'est super bon, faites moi confiance. On va prendre ça, c'est le seul chocolat noir que j'aime bien. Donc on va casser du chocolat noir dans un bol. Une tablette entière hein, c'est ça hein. Oui. Ça suffit. Voir deux. Non mais toi. Commence pas. Non, il veut m'induire en erreur, Walid, je vous ai déjà dit. Je pense que c'est deux. Il est gémeaux. Du beurre, je pense la moitié de la plaquette. Il a bien commencé. C'est du beurre pommade. C'est ce truc que je connais en cuisine.
C'est du beurre, tu te masses comme ça, genre, et t'as plus de vergeture. On va le couper en cubes et le mettre dans le chocolat. Ça va me couper. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Faut pas mettre une petite pincée de sel dans la pâte. Mais tu fais ce que tu veux, c'est ta chaîne. Voilà, ah, les Gémeaux. Petty ass bitch. Donc on va aller mettre ça au micro-ondes. J'ai envie de broter avec toutes ces boissons gazeuses, c'est très grave. Je pense qu'on met pas à pleine puissance, on va mettre moyen. Et genre 3 minutes. Ça va vous? Vous avez vu? J'ai mis que des photos moches de mes amis sur mon frigo. Richard, Lisa, Roubaba, Lorraine, Chloé et Maya Adorable. C'est à chaque fois que j'ai faim, je n'ouvre pas mon frigo. Je sais pas quoi vous faire maintenant, vous voulez voir ce qu'il y a dans mon frigo? Tout plein de bonnes choses. Red Bull à gogo, crème fraîche. Sur quoi vous zoomez, mademoiselle? C'est du lait d'amande. Reste tranquille. Allô. On va remuer le chocolat et le beurre bouillant. La tête de ma mère qui va être dans le gâteau, je te jure. On va verser le chocolat mélangé. Je vais lécher la cuillère au beurre, le chocolat. Je te vois, putain, il est comme ça derrière l'écran. Waouh. Wow. La manière dont j'ai envie de rajouter des noix pour faire un brownie. Non, il y a déjà des noisettes. On va rajouter des noisettes, non? Tu penses que je rajoute un peu? Ouais. Comme ça. Encore un peu, vite fait. Ouais. Un tout petit peu. Y'a du lait dans un gâteau? Pas. C'est pas genre un verre de lait? Sinon mets de l'eau. Ouais super. Je pense que ça suffit, c'est un demi-verre de lait d'amande. T'en as trop mis? Non non, c'est juste ma recette, c'est tout. Je pense que j'en ai vraiment trop mis. Voilà, mais t'avais grave raison, c'est exactement ça. On devrait mettre moi sur les boîtes à gâteau, Alza. Bah écoute, on va aller préchauffer le four. Je vais le préchauffer à 180 degrés Celsius. On enlève l'étiquette et je vais aller le laver. On va faire semblant, parce que j'ai grave la flemme. Je vais le laver, je reviens. Ça y est, je l'ai lavé. Non, il y a vraiment de la poussière. On va beurrer ce moule avec le beurre pommade. Qui n'est même plus un beurre pommade là, à ce point-là. C'est une crème pour les mycos parce que. Parfait, c'est bien beurré. Je sais pas du tout combien de temps on fait cuire un gâteau. Je dirais 20 minutes, mais je suis pas sûr. Et à combien de degrés? 200, non? On peut pas réussir toute la recette et se planter au niveau de faire cuire un gâteau. Leur honte. Comme dit cuillère. J'arrête. Bon, je m'arrête. On va l'enfourner ce bébé, tout simplement. On va le mettre à mi-hauteur. Par contre, c'est là où on a un problème, quoi. Moi, je dirais, bon, four ventilation normale, 200. Je suis pas du tout serein. J'ai envie de tricher, mais je peux pas. 190, peut-être? 190, et on va dire, moi, un gâteau, c'est 20 minutes. Ouais, 20 minutes. Bien aimé dans le Seigneur, notre thème de ce matin, c'est... Bon, et bien, en attendant, on va se poser tranquillement dans mon canapé. Regardez mes nouveaux coussins, comme ils sont magnifiques. De grosses boules. Je pense, franchement, que j'ai réussi la recette. Je pense que je me suis très bien débrouillé. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais je pense que je me suis bien tiré, non? Ça n'a pas encore sonné, donc je pense que ça fait genre 18 minutes. Je pense qu'on devrait aller voir. Ah, une minute! Tu vois? Oh waouh! Il est magnifique! Il est parfait! Ah putain, génial! On remercie Monoprix pour les travaux, magnifique! On va passer à la déco, parce qu'on va quand même pas offrir un cadeau, j'allais dire. Un gâteau pareil à Inès. Donc ce que je voulais faire, c'est que je voulais faire un glaçage, j'en ai jamais fait. Je voulais faire un glaçage à base de noisettes grillées. Parce que j'imagine que tenir une caméra, c'est épuisant, puisque Walid a terminé le sachet. C'est toi qui l'as terminé. Arrête de mentir. On voit, la taille n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Bah alors écoutez, en fait de base, je pense dans un glaçage, il faut soit du beurre, soit comme un espèce de fromage sans goût. Sauf que Walid, on a adoré le tourteau au fromage, on embarrasse le Poitou Charente. Je me suis dit, pourquoi pas faire un glaçage avec du Saint-Mauret. Un peu de stevia pour sucrer ça, bien évidemment, parce que sinon ça va être trop salé. J'ai envie de rajouter de l'arôme de vanille, genre voilà un petit peu comme ça. Un petit peu de sirop d'érable, qui donne un goût très canadien. On est à Montréal, pas aux favelas. Mmh, ça sent super bon. Incroyable, ça a le goût du caramel beurre salé. J'ai jamais utilisé une poche à douille de ma vie, mais comme toujours, il faut perdre sa virginité à un moment ou à un autre. Le plus tard, c'est le mieux, croyez-moi. On a des regrets, souffle. Ça se pense pas, non? Ça se met juste comme ça. Il y a pas un mode d'emploi? She said fuck you bitches! Et verse le bol dedans direct? Non, non. On devrait lui écrire un message dessus. Désolé Inès, ce ne sont pas tes Amina Muadi, mais tout le cœur y était. Oui, la pauvre, elle croit que l'on en fait, on lui fait un cadeau groupé. Elle est persuadée que c'est une paire de talons Amina Muadi. La pauvre. On est littéralement allé chercher des bijoux dans le marais. En toc, bien sûr. Tous les cuisiniers qui me suivent, tous ceux qui sont en école de cuisine, tous ceux qui sont chez Vatel, en école d'hôtellerie, s'il vous plaît, ne me jugez pas, je vous aime quand même. Love you! Oh, you're deaf. Okay, love you. Moi, je pense que j'écris Inès. T'auras assez? Ouais. T'es sûr? Si, moi, je peux écrire. Oups. J'ai chaud. Ah!
S'accroche. Mets un point sur le i. Oui, bah j'allais mettre un cœur. Non mais c'est moins beau là. Et si je pousse avec ça? Parfait. Bah magnifique. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, je l'ai bien fait. Et en plus, j'écris bien pour un gaucher. Mais est-ce que je mettrais pas une boule dans le point du i? Bah bien sûr. Tu vois comment elle va kiffer que son... Il faut qu'on rajoute des sprinkles dessus. De partout ça sur son prénom. Oups. Bah c'est beau comme ça. Mais non partout. Non, il y en a pas trop dans son prénom, ça va. 23 ans. Je suis tellement fier de moi. Happy birthday. Ouais, c'est la seule week que j'avais par contre. Plus 14. Birthday to you Inès. Ça va pas me porter malheur si je trouve ces bougies, non? Si je fais un vœu de quelque chose qu'elle veut. Inès, en tout cas, on a fait cette vidéo pour toi parce qu'on t'aime. T'es une amie en or. On a jamais vu quelqu'un avec une poitrine aussi belle. Et change pas. De taille de soutien-gorge. Vous entendez? C'est l'aspirateur que je suis devoir passer. Ah, mais t'étais pas au régime. Ah, mais t'étais pas censé trouver un vrai stage. L'heure de vérité. Un gâteau sans recette, est-ce que ça fonctionne avec Joël Pabst ou pas? 3, 2, 1, le moment de vérité, guys. Très bon, très fondant. On manque de sucre. Mais je pense que c'est le fait qu'on ait utilisé la stevia et pas le sucre. Il est hyper fondant, c'est un fondant, genre vraiment, mais ça manque de sucre. Très bon. Ah ouais, enfin très bon. Bon, guys, j'espère que ce petit challenge vous a plu. J'espère que ce gâteau plaira à Inès, mais elle n'en verra jamais la couleur, étant donné que l'anniversaire c'est demain. Donc, moi en tout cas, j'ai grave kiffé faire cette petite vidéo. Si vous avez envie d'autres petites vidéos de recettes, de cuisine ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous embrasse sur la bouche et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Thank you.